Allez, on va passer l'introduction qui m'a l'air fort longue, en plus qui spoil tout, c'est magnifique. À la limite, j'aurais pu vous laisser sur cette intro jusqu'à la fin de la vidéo, ça aurait été parfait. Donc, on se retrouve pour jouer à Speed Devils sur Dreamcast. Alors, un jeu qui ressemble étonnamment, énormément, beaucoup moins à... Je crois le jeu Speed Hunter, un truc comme ça, qui était sorti sur PC, qui était d'ailleurs le même jeu. Si je dis pas de bêtises, enfin, en tout cas, c'était les mêmes développeurs. Donc là, on va tester la version Dreamcast. Moi, je n'ai jamais joué à cette version. Donc, on verra ce que vaut le jeu. Donc, il y a déjà un mode de joueur. Donc, on ne peut pas jouer à 4, hein, malgré le fait que ce soit une Dreamcast. On a le mode arcade, mode championship. Le mode option, on va aller dans les options, voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, on a les options de son. On peut changer le bruit des moteurs, le musique, les CFX, ok. On peut aller dans les contrôles. Port A, port B, bah oui, version Dreamcast. Donc, du coup, on va accélérer et freiner avec les gâchettes. Frein à main avec le triangle. La nitro, shift up, shift down, ok. Le mode pause. On a... Voilà, nitro. Ça sera important, la nitro. Je regarde un peu les configurations. Il n'y a aucune configuration qui permet de tourner... De tourner avec la croix par exemple. Shift up, shift down. Si, ça là par exemple, elle permet de le faire, je crois. Non, shift up, shift down. Change view. Ouais, change view, rear view. Shift up, handbrake, nitro. On va prendre la configuration 3. Hein. Vous savez qu'à chaque fois, j'aime bien. J'aime bien tourner avec la croix plutôt qu'avec le joystick. On revient en arrière. Et on va du coup lancer. Bah pourquoi pas aller une petite course d'arcade. Et après on fera un mode championnat. Donc, on a quelques petites voitures au départ. On va pas toutes les avoir. Il y en a beaucoup à débloquer. Donc on a par exemple donc la Bel Ray. On a la Orion. La Atlantis. Donc c'est typiquement des voitures américaines. Hein. On a la Thunder, qui est énorme d'ailleurs. La Pirate, qui fait penser à la voiture Cubana dans GTA Vice City. La Montana. Et après, on a une voiture pour le moment qu'on ne voit pas. Voilà, tout ça, il va falloir les débloquer. Donc, on va... Bah, pourquoi pas, on va prendre une de ces voitures au hasard. On va prendre la pirate, tiens. On va voir les skins. Ah, on a même une en version police. Celle-là, elle est assez marrante aussi. Celle-là, elle est ignoble. Enfin, de coup, je trouve qu'elle est ignoble. En rouge, elle est pas mal, tiens. Est-ce qu'on a d'autres skins sympas? En tout cas, niveau skin, ils s'en fait plaisir, j'ai l'impression. En jaune, en noir, en bleu, en marron. On va prendre la... Le rouge était pas mal, je trouve. Là, c'est cool. On va sélectionner boîte auto ou boîte manuelle. Donc, on va prendre la boîte automatique. Et on a du coup plusieurs circuits. On a Hollywood, Mexique, Aspen Summer, Nevada, Canada en automne. Aspen en winter, donc effectivement c'est des variantes, hein, des circuits et des circuits à débloquer, Louisiane, Canada, etc. Donc on va prendre un circuit, voilà, pourquoi pas ça en version neige. Et c'est parti. Donc apparemment on est 5, et pas forcément un chiffre rond, enfin je trouve. Et go, c'est parti. Donc, bah, un jeu de course, hein, vous aurez compris déjà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Avec énormément de raccourcis, de passages, enfin, vous n'êtes pas obligé de passer par là où on vous dit. Par contre, c'est un jeu qui va demander bah, de connaître les circuits par cœur, si vous voulez réussir les trucs. Donc, c'est un jeu qui va assez rapide, très arcade, plutôt fun. Sachant quand même qu'on n'a pas d'item. En tout cas en mode arcade, on n'a pas d'item pour aller plus vite quoi. On a 18 jauges de nitro, donc c'est à droite. On a pris des cailloux. Et je peux activer la nitro donc 18 fois pendant la partie pour essayer de, bah, de rester premier. Alors pour l'instant je vais pas le faire, je vais d'abord découvrir le tracé avant de m'amuser à aller plus vite qu'eux. Wow. Ah on a carrément les... Les canons qui balancent des jets de... qui balancent de la neige.
Donc là par exemple je le suis bêtement, mais potentiellement je vais avoir des raccourcis un peu partout. Sauf que comme je vous dis, je ne connais absolument pas les tracés. J'ai le souvenir d'un son PC, mais c'est un circuit qui était dans le... plutôt en Californie, hein. C'était pas un circuit dans la neige. Ah bah d'ailleurs j'ai envoyé l'IA je sais pas où. Non, je sais pas où elle est maintenant. Donc c'est un circuit pour l'époque qui était dans les standards en termes de graphisme sur Dreamcast. Bon voilà, il n'y a pas plus, pas moins. C'est pas un jeu magnifique en soi. Mais c'est un jeu plutôt correct. Il y a pas mal de décors, il y a pas mal d'objets. Enfin c'est quand même... c'est pas des circuits sur lesquels on s'ennuie spécialement. Surtout quand on les connaît. Les travaux, on a réussi à les esquiver. Pourquoi on est toujours deuxième, c'est-à-dire que je ne sais pas où est passé. Où est passé le premier. Il y a trois tours à faire. Je vais mettre un petit coup de boost, voilà, petite nitro. Et on est premier. Alors on va passer par là, tiens. Allez, c'est parti. Oh, j'ai pris le mur. J'ai pris le mur et du coup il m'a remis sur le pont tracé. Il m'a pas remis là où j'étais. Alors vous pouvez revoir déjà qu'au niveau des réflexions sur la voiture, c'est pas en temps réel du tout, hein. Limite derrière ma voiture on voit des réflexions de palmiers. Après on est en plein hiver, ce qui veut dire que bah y a pas de vraie réflexion en vrai. Et vous voyez ce qui est tombé tout à l'heure, ça reste présent sur le tracé, donc le circuit évolue un petit peu quand même durant la course. Bon, je ne vois absolument pas. Je ne vois absolument pas de... Pour l'instant, on se voit raccourci. On a les canons en neige. Mais décidément, j'ai perdu ma voix. Hein. Attention aux poteaux, certains sont détructibles, d'autres pas vraiment. Alors j'ai plusieurs vues. Voilà, une vue un petit peu éloignée. Oh, j'ai une vue encore plus proche, voilà, elle est là. Une vue très proche, une vue un peu moins proche. Mais pas de vue embarquée. Et la musique qui ne va absolument pas avec la neige. Et la musique plutôt un peu... Enfin, j'avais fait un peu fun, quoi. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais... Ça fait plutôt ambiance cubaine que... Ambiance neige. Pour ça, on est deuxième. Je vais mettre un petit coup de turbo, quand même. Là, j'ai mis un gros coup de frein, mais elle freine pas super bien. Là, je vais remettre un deuxième petit coup. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Oh là là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors je crois que les voitures se détruisent un peu. Attendez, je crois qu'on peut changer la vue normalement. La vue arrière, vous voyez, j'ai perdu un phare. Mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Et voilà, du coup j'ai pris un premier raccourci dans le jeu, celui que j'avais essayé de prendre tout à l'heure. Pour l'instant on est toujours deuxième. Le premier est vraiment, vraiment bon là. J'ai pas réussi à le rattraper. Alors j'avais souvenir que le... Il y avait un circuit en Californie. Alors peut-être que c'était sur la version PC, hein, parce que la version PC était un peu différente. Enfin, attends, pour changer carrément le nom du jeu, c'est qu'il devait y avoir, hein, quand même une différence. Par contre, le 3ème, 4ème, ils sont vraiment loin. Allez, on est encore un boost. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Si je veux remonter. J'essaie de voir si c'est pas des raccourcis, mais pour l'instant, j'en vois pas trop. Et le premier reste vraiment loin devant. Hein. J'arrive pas à le rattraper. Ah, j'ai vu un truc à gauche, une sorte de glace. Je pense qu'on peut la briser et peut-être passer sur le côté et sous la montagne. Ça m'étonnerait pas. Bah, si, regardez, vous voyez la glace qu'il y avait à gauche. Là on est passé par le lac. Oh, yo. Il est donc encore en raccourci sur la gauche. Oh non, j'ai encore me faire avoir. Encore me faire avoir. Décidément j'ai perdu ma voix. Alors du coup, on va terminer deuxième je pense. Hein. La précorde 2 minutes 6.
Il m'en restait que 7 nitro. J'aurais dû relancer un peu plus dès le début, je pense. Ça m'a permis de garder un peu plus le... la distance. Et du coup, on va finir second. Bon, c'est pas mal second en vrai, hein, pour un début. Et vous voyez ma voiture qui est complètement détruite. Alors, je sais pas si on peut abandonner complètement. Est-ce qu'il y a un moment où la voiture, par exemple, elle s'arrête, on abandonne, je sais pas. Donc là, on a A pour replay, pour continuer, et B pour replay. On va regarder un peu ce que vaut ce replay. Ah, alors par contre, si le replay c'est juste la vue... Ah non, c'est bon. Si c'est juste la même vue, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que par exemple, je peux changer de joueur? Alors oui, j'ai l'impression. Ouais, on peut choisir le IA que l'on souhaite. Elle est où d'ailleurs la première? Elle est là. Je crois qu'en vraiment je l'ai emmené dehors. Ouais, je crois que je l'ai poussé dehors et après on l'a plus vu. Juste voir ce passage quand même. Ah d'ailleurs il avait lui-même utilisé la nitro. Bon c'est pas grave, on verra plus tard. On va faire retourner au menu. Congratulations, just made a lap record. Ça, tout... Là, on peut rentrer notre nom. Ah c'est marrant ça d'ailleurs. On rentre ça sur une borne. Sur une borne pour prendre l'essence. Alors, confirm, c'est ça, à sélectionner. Ok, bon, on va prendre 3 heures non plus. En tout cas, ça fera plaisir à ceux qui ont des noms beaucoup plus longs. Ils pourront faire rentrer leur meilleur score. Voilà. Je crois qu'il a dû sauvegarder Kima. Hein. Alors, il a vraiment sauvegardé le nom entier, c'est pas grave. Alors, Aspen Winter, donc on a le meilleur temps face à Slab, Time Attack, on l'a pas. Et on a des radars apparemment dans le jeu. Le poisson, j'en ai pas pris. On va faire back. Et on va faire le mode championnat. J'espère que le mode championnat sera intéressant. On va faire retour. Je crois qu'on pouvait améliorer les voitures dans le mode classique. Donc on va faire nouveau. Il va falloir que je retourne encore. Super. Alors du coup. Tac tac. Hop. Hop. Qu'est-ce qui tourne dedans d'ailleurs? C'est bizarre. Ah non, 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 back. Voilà. Et confirm. J'imagine qu'on peut rentrer des cheat codes avec ça. Alors, bienvenue dans mon monde débutant. Tu as été choisi pour prendre part à cette organisation parce que je pense que tu as le potentiel de devenir un blabla de Driver X. Ok. J'ai toujours adoré investir dans les nouveaux pilotes comme toi. Je te vois comme un investissement à long terme. Pour actuellement, je vais simplement te donner un véhicule et ce garage. Si tu me montres que tu es assez bon, je reviendrai et t'aider pour à remonter au top, quoi. Ne me laisse pas tomber, kid. Ça pourrait aller loin, toi et moi. Ok. Donc, voilà, c'est là où ça devient intéressant. J'avais des bons souvenirs à ce niveau-là. C'est que bah, c'est pas juste l'arcade pure avec des bagnoles. C'est qu'il y a carrément une sorte de carrière avec donc plein de choses à faire. Donc, on peut aller dans le mode course. On a un mode trophée. Voilà, on peut balader un peu. Alors ça, par contre, c'était pas vraiment le cas dans le mode PC. Je crois que c'était un peu moins bien fait autour, mais bon. On peut acheter des upgrades. On peut voir les courses, on peut acheter des voitures, et on peut surtout réparer la caisse. Alors pour l'instant, je n'ai pas d'argent. Ce qui fait que si je fais repair, voilà, ça va me coûter bah, ça va me coûter 199$. Je n'ai pas de cash. Je n'ai pas de cash, donc du coup, bah, j'ai oublié de faire la course avec, hein, vous avez compris. Je regarde un petit peu les add-ons. On peut avoir des accélérations de niveau 1, accélération niveau 2, top level niveau 2, braking niveau 1, niveau 2, nitro niveau 3, des radars.
une armure pour réduire les dégâts que l'on va prendre, des pneus slick, des pneus pluie, des super dry, des quoi? Des pour la neige, pour quand il y a encore plus de neige justement côté de la glace. Donc quelques améliorations à prendre. Et on a quelques trucs, vous voyez, sur les côtés qui sont pas débloqués, bah, tout simplement parce que j'ai pas d'argent. Donc on va lancer la première course. Voilà, donc je n'ai que cette caisse, hein. Voilà. Je n'ai même pas changé la couleur. Je peux choisir les pneus, mais normalement, bah, je n'ai que ces pneus pourris. Donc on va faire installer et on va faire du coup lancer la course. Et on est en classe, classe D. Et le fameux système de cartes que vous avez pu voir du coup. Ah, système. L'idée des cartes que vous avez pu voir dans l'introduction. Donc apparemment ça sera peut-être lui qu'il va falloir battre pour avancer. Alors je sais jamais quand les introductions finissent dans le jeu. En plus il y a des mots au hasard. Cool. Relax. Ouais, donc ils vont nous montrer à chaque fois Luigi Montezemolo. Donc ça en boucle apparemment l'introduction. Et on va démarquer du coup à Hollywood, et qui est sûrement le bah, celle-là que j'avais fait à l'époque. Donc c'était d'ailleurs un jeu que j'avais eu sur un DVD avec plein de programmes un peu comme ceux de l'époque, et c'était sur un joypad. Je crois que je l'avais même montré quand j'avais fait la petite. J'avais montré un peu les jeux que j'avais en vrai. Voilà, pour finir dans la solution la plus rapide, casser les radars, et j'ai pas eu le temps de tout lire, c'est pas grave. Go! C'est parti. Oh, regardez le ciel qui bouge en temps réel, enfin en temps réel, qui bouge en même temps avec la lune, c'est sympa comme effet. Alors certes, ça a énormément vieilli comme genre de technique, mais en vrai, ça passe quoi. Alors je n'ai pas de nitro non plus, hein, donc à force que je gagne sans nitro. Et là, il y avait un radar apparemment. Oui, c'est bon, cette course, je m'en souviens. Et apparemment, si je franchis le radar en ayant la bonne vitesse, je gagne de l'argent. Donc les radars, c'est très important. Mais comme je n'ai pas de nitro, je ne peux pas m'amuser à avoir un boost. Regardez comme je rame. Oh mon Dieu! Oh, elle galère la caisse, hein. Elle galère. Alors il faut que je fasse gaffe aussi de pas trop la casser, bien sûr. Donc il va falloir que je sois assez propre dans la première course, parce que sinon, bah, en plus de devoir la réparer, bah, je pourrais pas l'améliorer, parce que du coup, je vais pas avoir assez d'argent. J'aime beaucoup cet effet. Hein. Vraiment l'effet de ciel là, plutôt sympa. J'ai du mal à voir où je dois aller là. Ouais. Coup de frein. Je sais pas. Je crois qu'on peut faire un frein à main. Peut-être que je devrais l'utiliser d'ailleurs. On va passer sous le dinosaure. Radar busted. Ok, j'ai gagné 525 dollars. Bon, par contre, j'ai complètement tapé derrière. Donc là, on est dans un cinéma. J'ai du mal à voir les décors un peu. Alors vous le voyez pas spécialement, mais moi de mon côté, l'écran est pas super grand, donc c'est vraiment pas évident de voir tous les décors. Et je précise qu'on est en résolution VGA, hein, c'est le maximum que vous pouvez faire à Dreamcast. Et là, je l'ai raté complètement le radar. C'est là que la résolution VGA de la Dreamcast était 640 par 480, donc une résolution PC, hein, finalement. Si vous aviez un écran compatible et surtout le câble de la Dreamcast qui vous permettait du coup de bah, d'avoir un jeu beaucoup plus net, beaucoup plus meilleure résolution en fait que le format 576i ou 400, ou les 480i peut-être. Alors oui, mon visage, bah c'est pilote X, hein, donc on n'a pas vraiment de visage. Je sais pas si on peut modifier après notre apparence de pilote. Ah bah on va le passer. Yes, Radar Bursted. 515. Par contre ici on perd énormément de vitesse. J'ai pas assez de vitesse pour pouvoir grimper la côte. Ça me rappelle ma première voiture. La montée du Kellar, pour ceux qui connaissent. Vers Millau, en sud de la France, sur la voie de droite en mode camion, quoi, parce que la voiture elle pouvait pas monter, tellement qu'elle était pas puissante. Et là, c'est la première fois que je vois ça dans un jeu en vrai. Pas pouvoir monter une côte carrément et perdre de la vitesse. Alors, je vais me taire un petit peu, on va écouter un peu la musique.
Alors j'aurais pu aller à gauche, je me rends compte, il y a un raccourci en fait, on peut carrément couper. Donc en fait la prochaine fois au troisième tour on va essayer de faire ça. Oh, il y a carrément un requin sur le côté. Pour l'instant je me concentre vraiment sur les radars parce que bah, si on peut les prendre du coup... Ah j'ai raté. Si on peut prendre les radars, bah, du coup on peut se faire de l'argent même sans forcément être premier de la course. C'est de l'argent qu'on gagne qui reste. Je change un peu la vue, ouais. J'aime bien la vue un petit peu éloignée. On voit beaucoup mieux. Et ils sont où? Et ils sont loin les autres quand même. Hein. Après c'est la première course. Ça aurait été dur, ça aurait été dommage. Bah ça aurait été dommage. Je pense que le niveau de difficulté augmente au fur et à mesure. Ouf, on a fait une balle à voir le radar là pour 1 km par. Pas 3 du coup maintenant mais... Si je passe par là, est-ce que j'ai plus vite? Ah, si je passe pas par le... Si je passe pas par la partie avec les pierres là, je peux reprendre la vitesse. Donc ça c'est bon à savoir. Bon, ce qui est bien, c'est la petite affiche haut, ça permet de savoir quand même où sont les écarts, enfin où sont les autres. On va repasser sous le dinosaure, je crois que ça va passer cette fois-ci, ouais c'est bon. Et là du coup on va essayer de prendre le radar et surtout d'aller tout droit. Ouf, ça a failli pas passer, ça a failli ne pas du tout passer cette histoire. Je vais me retrouver dans le... J'ai failli me retrouver dans le... Dans l'eau. Ça c'est vraiment un passage qu'il faut prendre quand on est assez rapide. Ah, il est en train de grignoter au fur et à mesure le pont. Alors 141, je l'ai pris un peu plus rapide que tout à l'heure, mais ce ne sera pas suffisant. On n'aura pas eu tous les radars, mais je pense que si on recommence la course avec une voiture plus rapide, ben là le radar bien sûr on l'aura à chaque fois. J'ai toujours pas de nitro, hein, donc je peux pas aller plus vite de toute façon. Et voilà, on va remporter la première course. Et en deuxième position, c'est avec Jack E. Brown, Miss Penny G. Parker, Alfonso Cabrero et Luigi Montezimolo. Allez-y, Montezimolo quand même. C'est la meilleure vanne que j'ai jamais vue sur le mec de Ferrari. Là. Alors du coup, time out, je sais pas pourquoi il y a time out, nous on a gagné du coup 6 615 $, ça c'est bien. Fais ça à nouveau, et je penserai que, je commencerai à penser que tu es bon. Ouais, ma traduction totalement littérale de l'anglais. Alors, on a l'argent. 6 500. Qu'est-ce que je pourrais faire? Regardez, j'ai des trophées maintenant. Bon, il n'y en a qu'un seul, mais j'ai un trophée. On va réparer. Je pense qu'on pourra réparer. Soit je vais chez le car dealer directement. Oh, le car dealer, tiens. Je pense que ça va coûter super cher parce que... Ouais, 10 000, c'est ce que je pensais. 10 000, 25 000, 30 000, 60 000, 80 000. Bon, c'est pas pour aujourd'hui. Je pense que même si je vendais ma caisse, je pourrais pas l'acheter. Là, je pense que je peux pas vendre la caisse du début. Ce qu'on va faire, je vais la réparer. Le cas. Non, regardez. Je vais faire full repair, c'est 1700 et partial repair, 199. On va faire un full repair avec l'argent qu'on a. Voilà, elle est beaucoup plus jolie comme ça. Et est-ce qu'on peut acheter des améliorations? Bon, on va faire ça. On va faire...
Ça coûte combien d'ailleurs? Ah, ça coûte 15 000. Ouch! Ah oui, ça coûte super cher en fait. Ça, ce n'est pas valé pour le moment. Les pneus 50 000, 10 000, 20 000. Ah ouais, donc en fait, tout est inabordable en fait. Dès le début, on ne peut vraiment rien acheter. Bon, c'est pas rare, on va lancer la deuxième course. L'avantage pour le moment, c'est qu'on n'a pas de pneus à acheter spécifiques. Donc c'est pas gênant. Mais le jour où on va devoir acheter des pneus, bah, ça va nous gréver le budget. En tout cas, on va découvrir le Mexique. Radar, spend the most time in the lead, make the fastest lap, reach the highest speed. Ok, donc on peut faire soit le meilleur tour, soit la meilleure vitesse, soit le meilleur vitesse sur les radars. Enfin, vous avez compris maintenant. C'est parti. Alors je doute que ma caisse aille plus vite pour autant, hein, le fait qu'elle soit réparée, elle sera juste un peu plus propre. Ah, par contre j'ai plus souvenir, est-ce qu'il y avait un frein à main? Parce que le frein à main ça pourrait m'être utile quand même quand on a les... Ça pourrait m'être utile quand on aura là, des virages assez serrés. Typiquement là. Là je me suis complètement loupé. Eh, attends, toi. Oh, il va me pousser dehors. J'ai essayé de faire le frein à main, ça a pas du tout marché. Enfin, ça. Si, ça a tellement bien marché finalement que je me suis retrouvé de l'autre côté. Alors, je passe par là, c'était pas prévu. Et malheureusement pour moi, c'est pas possible. Donc, apparemment, il y a des ponts. On peut peut-être utiliser pour. Après, il y a des gens qui creusent. Ah ben on est passé devant le quatrième, ça c'est bien. Bon, je retenterai peut-être de prendre le raccourci tout à l'heure. Enfin, apparemment il y en a deux, mais... Je sais pas si ça va être fait. En plus, il y a des raccourcis, j'ai l'impression que ça va rien. Et d'autres un peu plus. Ouh, pas mal. Carrément dans un... Sous un volcan, j'ai l'impression. En tout cas, on pourra pas reprocher au jeu d'avoir des circuits plutôt sympas. On va dire avec pas mal d'univers différents. Alors, est-ce qu'ils sont intéressants pour autant? Bon, ça se discute un petit peu, c'est quand même des longs moments où ça se passe en chauve, c'est juste des virages assez longs, grosse ligne droite. Je me souviens, avant de commencer la vidéo, j'avais testé juste un circuit à part, et franchement, il était plutôt ennuyant. C'est bon, radar busted assez bien. Ça me permet de remonter aussi sur lui. Ah, elle vaut super cher cette caisse par exemple, mais est-ce qu'elle est plus rapide pour autant? J'ai pas l'impression. J'aime bien la voiture qu'on a dépassée, elle ressemble un peu à celle de... Elle ressemble un petit peu à la Zagato, la DB4. Et on a fait un tour. Allez, hurry up là, il va falloir les rattraper. En fait, mon souci, c'est qu'elle tourne pas super bien. Du coup, j'ai pris le mur, merci. Je n'ai pas eu le radar, mais au moins j'ai pu aller tout droit. Je vais devoir s'il n'y a pas de droit raccourci, pour l'instant j'en vois pas. Le premier est tellement loin. Je sais même pas si on va pouvoir le rattraper un jour. Bon, il nous reste quand même un tour et demi pour le faire, mais... On va voir, on va voir. Le souci qu'on a, c'est que j'ai pas l'impression qu'il nous affiche les écarts avec le premier à chaque fois. On l'a en haut, hein, mais c'est du visuel, donc c'est difficile de savoir combien en seconde ça fait.
Au moins on a récupéré le radar. Je crois que je viens de le voir le premier. Ah, il est là. Il est là. Que c'est qui? Qu'est-ce que c'est au-dessus? Oh, il y a carrément un énorme oiseau. C'est bon, on l'a rattrapé au meilleur tour. 2,09€, ça c'est bien, parce que le meilleur tour, ça va nous donner de l'argent aussi. Je vais essayer de reprendre le raccourci. Il est rapide le bougre. Oh, j'ai réussi à le prendre quand même. Yes. Ah ben, on a réussi à récupérer le radar. Ça, c'est bien, ça. Oh, ça m'a permis de le recoller légèrement. Il est vraiment, vraiment rapide. Ah, c'est bon. On va pouvoir relancer, on l'a rattrapé. On est bien lancé. Non, 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 pas dans le lave. Mais n'importe quoi. Et voilà, je fais dans la lave. Du coup, elle a pris des dégâts quand même, la caisse. Bon, heureusement, c'est pas game over. Ouais, par contre, là, c'est mort. Hein. Pour le rattraper, j'ai pas eu tellement de temps. On arrive à la fin du tracé, malheureusement. C'est pas ici que je vais le rattraper, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements difficiles. Ouais, je le vois, il est en face, mais ça va pas servir, ça va pas être facile. Oh, on est quasiment à la fin. Je le vois, mais je ne le déplacerai pas, bah j'aurais pas fait d'erreur. Ah, et d'ailleurs, quand il agite ses ailes, ça déplace un petit peu la caisse. Bon, on a terminé deuxième. Allez, c'était pas si mal, j'aurais pu gagner. En vrai, j'aurais pu gagner, j'aurais pas fait mon erreur dans la lave, on était devant. Ce sont des choses qui arrivent. Il est mauvais, hein, Luigi, hein, t'as une tour dernier. Bon, en termes d'argent, j'ai gagné moins que lui, hein, logiquement. J'ai quand même le meilleur tour, alors voilà. Time Span Leading, il a l'avantage. Moi, j'ai l'avantage sur le Fat Slap, le meilleur tour et la vitesse de pointe. Donc, ça permet quand même d'avoir pas mal d'argent. Et on a le replay. Bon, en gros, il dit que j'étais tellement mauvais que ça a été trop facile pour lui. Donc du coup, il faudra peut-être que je la recommence, je sais pas. Je sais pas s'il va falloir que je recommence la course ou s'il va falloir, bah, je pourrais continuer ou pas. En tout cas, j'ai gagné de l'argent, donc on pourra encore améliorer des trucs, je pense. Enfin, en tout cas, essayer d'améliorer des trucs. J'ai 11 000 de cash, donc déjà, je pourrais même changer de bagnole si je voulais le faire directement. Bon, de toute façon... Est-ce que j'aurais pu acheter? J'aurais pu acheter, je pense, une seule bagnole. J'aurais pu acheter celle-là. Voilà. J'aurais pu acheter celle-là. Elle a un poil plus puissante, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc ça sert à rien d'acheter tout de suite. Bon, écoute, on est déjà à une 36 minutes de jeu. De toute façon, je pense que vous avez compris le système. On va avancer dans les courses, on va améliorer nos voitures. Et jusqu'à aller jusqu'au dernier, dernier concurrent. Donc c'était Speed Devils. Jeu que j'aime bien. Franchement, j'aime bien ce jeu. Je pense que je vais peut-être le continuer d'ailleurs en off. Parce que ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué, c'est un vrai plaisir. Alors, c'est pas le jeu de l'année non plus, hein, pas déconner. Mais franchement, pour un jeu. Pour un vieux jeu, il est pas mal. Il est intéressant. Là, on peut améliorer pas mal de choses. Les circuits sont cool. Le son, ça va. Le maniement est très correct aussi. Voilà, voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de l'essayer. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.